Bonjour, je m'appelle Ludovic Zewulski, chef de cuisine du restaurant Le Vivier depuis maintenant 3 ans. Une étoile au Michelin à Lille-sur-la-Sorgue. Donc je vais vous préparer une lisette marinée au quinoa et burrata, feuilles de capucine et pois gourmands, accompagnée d'un vin du domaine de Sainte-Croix. À l'origine de la sélection Rosé by Val d'Orbieu, il y a la recherche des meilleures vignes des domaines, donnant ainsi naissance à une collection sincère et raffinée. Les vins sont élaborés dans un style pur, combinaison de fraîcheur et intensité des saveurs. Des vins qui représentent le savoir-faire et le savoir-être du Val d'Orbieu. Pour cette recette, il vous faudra pour 4 personnes lisette, un peu de ciboulette, des oignons préalablement confits à l'huile d'olive, quelques chips d'aubergine que vous aurez fait la veille, une burrata, du quinoa, feuilles de capucine et pois gourmands, citron vert, huile d'olive et jus de citron. On va commencer par lever la lisette. Alors pour cette recette, il est très important de prendre un poisson frais, bien évidemment, mais très frais, puisque c'est un poisson qui va être mangé cru. Donc bien désarrêter, faire attention aux arêtes. Les arêtes de la lisette sont très fines. Donc c'est une marinade plutôt minute, 10 minutes, instantanée plutôt exactement. On va assaisonner le quinoa. Un quinoa qui a été préalablement cuit à l'anglaise dans une eau bouillante salée. Sel, poivre, de l'huile d'olive, un peu de jus de citron. Nous allons prendre un peu de ciboulette et d'oignons confits. Ensuite, nous allons préparer la marinade. Donc toujours jus de citron vert, huile d'olive. C'est les poivres, toujours. Bon, il ne faut pas hésiter à bien relever, puisque cru, si on ne le relève pas, ça risque d'être un peu fade, trop iodé. Enfin, nous allons couper la burrata. Quelques morceaux, hein, suffit. Il faut essayer de rassembler le crémeux, puisque l'intérêt de la burrata, c'est le crémeux qui est à l'intérieur, contrairement à la mozzarella. La burrata juste dans l'huile d'olive. On va essayer de garder le plus nature possible, donc huile d'olive, sel, poivre. Et enfin, on va mettre à mariner la lisette qui est ici. J'ai oublié de vous préciser un petit peu de râpé de citron vert. Donc l'idéal, le plus fin possible. Donc on va trancher la lisette. C'est une entrée, donc on n'a pas besoin d'en mettre énormément, puisqu'en plus la lisette c'est un poisson bleu, mais relativement fort en saveur. Donc on va mettre côté chair dans la marinade. Donc, pour cette recette, il faudra aussi des radis frais, passés à la centrifugeuse. Sur le jus, on va le sel, poivre, bien sûr, lié au xanthan. L'avantage du xanthan, c'est que contrairement à la fécule de pomme de terre ou ce genre de produit, ça n'apporte pas de goût, il n'y a pas besoin de cuisson, ça lie à chaud comme à froid. Et l'intérêt surtout, c'est de garder tout ce qui est vitamine du produit, et ça ne modifie pas du tout, ça n'apporte pas du goût, donc c'est vraiment très neutre. Donc là, évidemment, il était fait un peu à l'avance, donc ça donne vraiment une texture très liée. Donc pour le dressage, on va prendre un porte-pièce. Dispose un peu de quinoa dans cette porte-pièce. Bien le tasser. Étant donné qu'on a coupé 3 morceaux de lisette, donc on va faire 3 socles. Le riz des Incas, il vient de là-bas. Puis
La lisette qui est marinée quelques minutes, pas plus. On va le disposer délicatement sur les socles de quinoa. Enfin, la burrata qui a été donc à l'huile d'olive, juste fleur de sel et poivre. On va profiter de la marinade de la lisette pour assaisonner les pois gourmands qui sont ici. On va juste donner un petit coup de taillage pour que ce soit beaucoup plus propre, beaucoup plus joli. Donc, avec cette marinade, on dispose. Donc, ça fait partie du décor au choix, hein, lisette, ce genre de choses. Enfin, lisette, pois gourmand, pardon. On va prendre des feuilles de capucine, ça c'est notre choix de décor. Donc pour que ce soit plus joli, on va les emporte-piécer, qu'elles soient toutes identiques. Je vais me resservir de la marinade pour les assaisonner. Donc les chips d'aubergine la veille tranchées, les chips de betterave la veille tranchées à la machine à jambon, on les a mis avec du sucre, un peu de glucose sous vide, puis cuisson en vapeur à 70 degrés, 80 degrés jusqu'à cuisson complète, enfin égouttées et séchées au four à 60 degrés jusqu'à au point où elles soient croustillantes. Donc ça représente quelques heures quand même. Donc c'est pour ça qu'on le fait vraiment à la veille. Donc on dispose à sa convenance sur l'assiette et ensuite juste des points de ce jus de radis qui n'est pas du tout travaillé, juste lié, assaisonné pour pouvoir garder le peps du radis. Voilà. Pour la lisette, je vous conseille le Sainte-Croix cuvée Montlaurès 2013 qui s'accordera très bien avec cette entrée. Ce vin du domaine de Sainte-Croix cuvée Montlaurès offre une superbe robe de couleur pétale de rose très claire, un nez fin et délicat sur des arômes floraux. La bouche vive et élégante révèle des saveurs de petits fruits rouges dans une finale minérale et fruitée. Un joli rosé vif et équilibré avec une belle longueur en bouche. Un rosé très digeste, bien représentatif des corbières.